Salut les geeks, je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu au cours du mois d'août. Vous allez voir, il y a des très belles choses, j'ai refait des très belles rentrées ce mois-ci. Trois nouvelles consoles se rajoutent à ma collection, des jeux Wii assez rares, un très bon jeu sur Switch, des bons accessoires et on commence tout de suite avec du lourd, on commence avec la PlayStation 5. Donc oui, voilà, la bête, la fameuse console très dure à trouver en ce moment. Moi, c'est la deuxième que je prends. Je l'avais déjà pris à la sortie, mais j'étais relativement déçu. Il n'y avait pas de jeu. Et avoir une console nouvelle génération pour jouer à des jeux Play 4, j'étais pas très satisfait. J'ai un pote qui l'a cherché absolument. Hop, elle a fini chez lui. Tout le monde était content. Et là, j'ai eu envie de la reprendre parce que je voulais tester le Ratchet. Je pense que c'est actuellement un des jeux qui utilise au mieux les capacités de la console. Et je voulais vraiment voir ce que ça donne, les nouvelles technologies, voir les graphismes, tout ça, ce que ça donne. Et franchement, je suis pas déçu. Il est vraiment très beau, joli. C'est un jeu qui... Je pense pas que je vais le faire jusqu'au bout parce que c'est pas mon style de jeu à la base. Mais on verra bien. Peut-être que je vais me laisser surprendre. Pour l'instant, j'accroche pas mal. On verra. Mais on verra si je me lasse ou pas. Sinon, j'ai également acheté un casque, donc j'ai pas pris le casque Sony, j'ai préféré prendre celui-là, et en plus il va également sur PC, tout ça, je joue de temps en temps un peu sur PC, et ça peut être cool d'avoir un casque quand on veut pas être de bruit extérieur. Ensuite, j'ai rentré une 2DS, celle-ci elle est neuve, elle a jamais été ouverte, ça fait une 2DS de plus pour la collection, rien d'extraordinaire, mais ça reste une console neuve pour la collection, et surtout j'ai rentré la Switch Collector Mario. Alors, je suis content, je l'ai reçu d'occasion, je voulais pas l'acheter en neuf. Je suis un grand fan de Mario, mais je trouve que pour une collector Mario, elle n'a rien d'extraordinaire et surtout elle n'a rien de Mario. Oui, ok, elle est rouge et bleue, mais ils auraient pu mettre au moins la tête de Mario quelque part, un petit logo, quelque chose. Je la trouve très belle, mais pas pour une collector Mario. Pour une collector Mario, je trouve qu'elle n'a rien d'extraordinaire, c'est juste deux couleurs et basta, c'est... Voilà quoi, je suis un peu déçu ce côté là, je vais quand même vous la montrer. Donc ce qui est vraiment chouette, si vous me connaissez un peu, que vous regardez mes autres vidéos, vous savez que j'adore le rouge. Donc forcément, avoir la Switch en rouge, je trouve ça très très cool. Alors je dis pas, rien que pour ça, elle me plaît, mais encore une fois, voilà, pour une collector Mario, il est où Mario, juste du rouge et du bleu, ça suffit pas. Voilà, donc les manettes en rouge. Donc je tiens à préciser que c'est un rouge différent que ce qui était sorti avec les manettes, par exemple Mario Odyssey, ou les manettes qui sont sorties dans le commerce. Ce n'est pas le même rouge. Donc c'est vraiment une couleur exclusive à cette console. Donc avec dans la boîte, vous avez une pochette de transport. Donc ça c'est sympa, c'est un plus. Donc là, il y a la casquette, le gant et la salopette de Mario qui est dessinée dessus. Voilà, bon. Si on aurait eu au moins encore ça sur la console, ça aurait été bien, mais non. Et après, il y a le dock qui est également rouge. Alors c'est sympa parce que ça change vraiment des autres consoles. Vu que toutes les autres consoles, ils sont en noir, avec un dessin des fois pour les collecteurs. Mais voilà, on n'a jamais eu d'autres couleurs. Et là, en rouge, c'est vraiment cool. Après, sinon le câble et tout ça, ça reste pareil, forcément. Il y a juste encore donc ça qui est en bleu. Et les petites dragons qui sont bleus avec des ficelles rouges et bleues. Enfin, rouge, blanc, bleu, si vous voulez vraiment. Voilà. Alors, c'est une belle console. C'est un collector en plus pour ma collection. Mais voilà, comme dit, pour une collector Mario, j'aurais voulu avoir un Mario. Je sais, je suis difficile, je râle beaucoup, je critique beaucoup. Mais c'est comme ça. On continue sur Switch avec le Monster Hunter Story 2. Alors le premier était sorti sur 3DS, je ne l'avais jamais fait. J'ai terminé celui-là sur Switch. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Si les Monster Hunter vous attirent, mais que le côté trop répétitif vous fait peur, ou difficile, parce que les Monster Hunter en général, ils sont difficiles, franchement, faites celui-là. Donc pour l'instant, il est sorti que sur Switch et PC. Je ne sais pas s'il sortira sur les autres supports. Moi, étant un grand fan de Nintendo, forcément, je l'ai pris sur Switch. Écoutez, vraiment, j'ai adoré. Je l'ai fini tout récemment et il est très beau. Au niveau des graphismes, on est proche d'un Zelda Breath of the Wild. Il n'est pas vide, Zelda était quand même assez vide, même si je vais me faire critiquer par tous les fans de Zelda, mais les décors c'était assez vide. Celui-là, il est vraiment beau, il y a de quoi faire, il a une bonne durée de vie. Bon, il y a encore les quêtes secondaires qui sont répétables en boucle.
j'accroche pas trop à ce genre de principe, mais ça aide si on veut EP, bah voilà, on sait que tout en jouant, on va récolter des objets, et quand on retourne au village, bah hop, tiens, une quête qu'on peut rendre pour la millième fois, ça me fait tout de l'XP au passage. C'est vrai que les quêtes dans les Monster Hunter, les quêtes secondaires, on se rend pas vraiment compte qu'on les fait. On va farmer pour les armures, on va farmer pour les armes, on va faire la quête principale et tout en faisant ça, bah, on va tuer des monstres et autres. Et du coup, bah, ce qu'on va récolter ou les monstres qu'on va tuer, bah, ça finit une quête secondaire. Donc c'est vrai que le côté répétitif, on le ressent pas trop. Alors il y a toujours le côté répétitif pour le farming, c'est un Monster Hunter, les Monster Hunter c'est des jeux de farm, mais il y a un côté très sympa qu'ils ont fait dans ce jeu là, il y a les victoires instantanées. Quand on tombe sur des dinosaures qui sont de plus faible niveau que nous, qu'on est sûr de remporter le combat, eh ben on appuie sur deux touches et on gagne immédiatement le combat. Ça évite de faire des combats longs et puis de les enchaîner pour avoir finalement la même chose. Là, au niveau farming, ça allège vraiment le truc, on n'a pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Voilà, du moins plus rapidement, donc du coup on peut s'arrêter plus vite et passer à des quêtes principales ou aller faire du stuff, enfin bref, faire autre chose. Et du coup ça passe très bien. Je vous le conseille vivement, il est excellent. Ensuite sur Wii, j'ai rentré trois bons jeux. Alors j'ai rentré le Guilty Gear. Alors j'avais le premier volume, j'avais pas encore celui-ci. Donc ça, cette fois-ci, j'ai les deux sur la Wii. Et je suis très content parce que j'ai rentré deux jeux un peu rares maintenant. Le Castlevania Judgment et The Last Story. Alors deux très bons jeux. Donc Castlevania, on présente plus, hein, jeu d'action, aventure. Célèbre licence hein, depuis la Super Nintendo, très très bon jeu, enfin très bonne licence plutôt, le Castlevania sur Wii, je ne sais pas s'il est bon, je ne l'ai pas encore fait, je le testerai plus tard. Et The Last Story, alors ça par contre c'est excellent, très très bon RPG, JRPG encore une fois, très beau, vraiment un des, je pense que c'est, il fait facilement partie des meilleurs RPG de la Wii, il est vraiment très très bon, il coûte quand même pas mal là, hein. Il tourne aux alentours des 40€ maintenant en occasion, donc je suis content de les avoir trouvés. Très très bon jeu. Ensuite sur GameCube, alors je suis très content, j'ai rentré le Game Boy Player. Alors malheureusement il n'y a pas la grosse boîte, mais il y a tout le reste. Alors, si jamais vous avez une boîte vide, hein, pensez à moi, je peux l'acheter ou l'échanger si vous voulez. Donc il y a tout le reste, hein, le CD, le mode d'emploi qui est présent ici. Et l'accessoire qui permet donc de jouer les jeux Game Boy Advance sur la télévision en passant par la GameCube. C'est vraiment un accessoire génial. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça par la suite. J'aurais vraiment voulu pouvoir brancher les DS ou les 3DS et jouer sur la télé. Ça aurait été vraiment excellent. Ils l'ont fait pour la Game Boy Color, pour la Game Boy Advance, et puis ils se sont arrêtés. Ils se sont dit non, bah non, c'est des portables, vous jouez en portable. Mais moi j'aime pas jouer en portable. J'aurais vraiment vraiment bien voulu jouer, surtout aux jeux 3DS ou certains gros titres DS, bah sur ma télé, ça aurait été tellement mieux. Enfin bon, voilà. Il y en a qui aiment bien jouer en portable, et Nintendo sont les meilleurs en portable, donc je dis rien, c'est leur choix. Et ensuite pour finir, donc j'ai rentré quelques jeux 3DS, j'en ai rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux. 10 jeux, donc on était à 251, donc on passe à 261 jeux dans ma collection. Vu qu'on a dépassé la moitié du full set, je pense que je vous ferai une petite vidéo récap sur tout ce que j'ai déjà rentré. Et comme ça, vous verrez également ce qui me manque. On sait jamais si vous avez des jeux pour moi. On peut contacter moi et puis on verra pour faire des échanges ou des choses comme ça. Enfin bref, sinon vous passez à la boutique pour ceux qui peuvent. Donc là, j'ai rentré le Transformers Prime. Donc, encore un jeu vidéo tiré de la licence Transformers. Koh-Lanta, je pense que j'y jouerai jamais, mais bon. Mahjong Mystery, un petit casse-tête pour passer le temps. Un Tortue Ninja. Alors là, j'ai un triple jeu Léa Passion, 3 fois plus de Léa dans la même cartouche, c'est top. Donc il y a la vie de Fashionista que j'avais déjà en cartouche simple. Léa Passion bébé et Léa Passion mode. Je sais plus si j'ai déjà en version simple, c'est possible. Alors un très bon jeu, Mario et Luigi. Donc ça c'est le Superstar Saga plus les sbires de Bowser. Après il y a le Mario Tennis Open. Le Animal Crossing New Leaf.
vous le voyez bien, ouais, hop là. Combat de géants dinosaures 3D. Bah, les dinosaures, je préfère les buter dans Monster Hunter. Hein. Et là, un petit Disney, le Cars 2. Voilà. On a fait le tour de tout ce que j'ai rentré au mois d'août. Voilà, difficile de ne pas être content. Hein. Vraiment des super consoles. Dès que j'aurai un peu de temps, découvrir un peu le Castlevania sur Wii. La Switch, elle va rejoindre tout simplement mes étagères. Je ne jouerai pas avec. Ça fera une collector en plus. Et voilà, donc la vidéo est terminée. Bon, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai rentré. Dites-moi dans les commentaires aussi, tiens, les consoles que vous préférez, surtout les next gen. Je pense, enfin moi personnellement, je joue plus à la Xbox pour l'instant qu'à la PlayStation. Je joue à cause de l'abonnement qui permet de jouer à plein de jeux. Hein. Donc voilà, grâce à ça, ça m'évite d'ouvrir les collectors et les jeux que j'ai en neuf sur Switch, parce que certains sont aussi sur Xbox, et ça me permet de découvrir les jeux. En soi, la Xbox, je pense pas qu'elle est meilleure que la PlayStation 5 pour l'instant. PlayStation, je pense que comme d'habitude au niveau des ventes, elle sera devant, hein, faut dire ce qui est, hein, PlayStation a tout été devant Xbox. Elle aura comme d'habitude, je suppose, plus de jeux, plus d'exclusivité, mais Xbox a quand même signé avec Bethesda et ouais, je crois beaucoup plus à cette génération de console. J'ai adoré la première Xbox, j'ai adoré la 360, j'ai pas aimé du tout la One, je trouve qu'elle a rien apporté au monde du jeu vidéo, hein, je m'excuse pour tous les fans de Microsoft, hein. Mais la Series X, j'y crois beaucoup plus. Je pense qu'il y aura des très bons jeux qui peuvent faire la différence. Est-ce qu'elle passera devant Sony? Je pense pas, mais je pense qu'elle peut faire parler d'elle, cette génération de consoles. Ça va le chat, je te gêne pas? Et voilà. Bon, voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un pouce bleu. Si vous voulez me dire quelque chose, bah vous laissez un commentaire, je parlerai avec vous avec plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao !